Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24. Coucou mes go! Alors aujourd'hui, je vous ai fait ma routine hygiène féminité. C'était une question qui revenait tout le temps dans mes DM. Clara, qu'est-ce que tu utilises sur ta peau? Comment tu fais pour avoir des dents aussi blanches? Mais je suis là pour tout vous dire. Aujourd'hui, je vous donne tous mes secrets. Sans plus tarder, let's get into it. Since 06, I've been writing this story. I know be OG. Tout d'abord, on va rentrer dans ma salle de bain. You guys, this has to be one of my favorite places in my apartment. J'aime tellement passer du temps dans ma douche. Limite, quand j'y vais, je peux plus sortir. Je vais faire 40 à 50 minutes sous la douche. J'ai plus envie de sortir. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise. Là, j'ai mon gel de douche qui me vient de chez Luxottic. J'ai beaucoup parlé de cette marque sur mon TikTok. C'est une marque qui m'avait contactée pour faire un partenariat. Et je vous jure, jusqu'aujourd'hui, je suis blasée. C'est-à-dire que je prends mon argent et j'achète tellement leur... Tous leurs produits sont de qualité, c'est hydratant. C'est-à-dire que quand je me lave et que je sors, je me sens propre. Je sens que ma peau, elle est tellement propre. Là, je viens utiliser mon savon que j'ai pris sur Amazon. Je ne me rappelle plus du nom, mais je vous mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est un savon qui est bien pour les taches et pour hyperpigmentation. Si genre tu as des côtés un peu sombres et tout, ça vient en fait donner une luminosité à ton visage. C'est pas obligé de le mettre qu'au visage. Moi, souvent, je le mets sous mes aisselles aussi, vous voyez comme ça. Et je laisse en fait pendant quoi 10 minutes. Voilà, 10 minutes par là. Je laisse sécher. Ensuite, je viens prendre mon gommage. Alors moi, je fais un gommage une fois par semaine. Je ne le fais pas tous les jours. Ce gommage, il vient également de chez Luxottic. You guys, you can never go wrong with Luxottic. Cette marque, honnêtement, ils m'ont blasé. Le gommage, il est tellement doux. Mais en même temps, tu sens bien qu'il exfolie bien. Je viens sur les zones un peu sombres, genre le coude, genre les genoux. Mais en règle générale, je mets un peu sur tout mon corps. J'en utilise pas beaucoup parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, j'essaie de, vous voyez, un peu minimiser. Mais honnêtement, le rendu, c'est impeccable. Il y a un petit côté hydratant, genre huile et tout, que j'adore. So Luxottic, definitely one of my favorite. Ensuite, je prends une de mes serviettes que je viens mouiller en fait pour rafraîchir mon visage. Je vais d'abord enlever bien évidemment le savon que vous avez vu que j'ai laissé en masque sur mon visage. Donc je viens en fait, mais j'utilise de l'eau froide. De l'eau bien, bien froide. Je viens bien, bien dab mon visage avec. Honnêtement, ça, c'est une de mes parties préférées. J'étais en train de me moquer de mes cils en mode Clara, what's going on with you? What's going on, girl? But anyway, ça me rafraîchit tellement. Genre, je me sens tellement bien à chaque fois que je fais ça. Ensuite, je viens prendre ces pads. En fait, je les avais eu à TJ Maxx. C'est genre des... Je sais pas comment on appelle ça en français, hein, vous allez m'excuser. Mais j'aime beaucoup. Moi, en tout cas, ça me relaxe énormément. Avant, souvent, de faire mon make-up, je mettais ça beaucoup. Mais maintenant, c'est rare. Je le mets... Je mets ça une fois en passant. Mais honnêtement, ça apaise les yeux. Si tu as des cernes, vous voyez, genre les grosses poches en bas et tout, ça va definitely help you. Ça va definitely do something about it. Ensuite, j'ai pris cette machine-là qui fait extrêmement mal. Ok, en fait c'est juste pour venir enlever les comédons et tout ça vite fait. Guys, cette poudre, le nom c'est Aztec. Honnêtement, les gens en parlaient et moi j'étais en mode non, like vous exagérez. I thought like le produit était un peu trop overrated, but to be honest, it's not. J'ai pris un peu de apple cider vinegar. C'est genre, je pense, on dit ça en français comment? Du vinaigre de soutre, si je ne me trompe pas. Et j'ai mélangé ça avec un peu d'eau. C'est très, très fort. Il faut faire attention. Honnêtement, ne mettez pas beaucoup de vinaigre. Sinon, ça peut vous faire sortir beaucoup de boutons. Alors que de base, ce masque, c'est contre les boutons, si vous voulez. En fait, c'est contre les boutons et ça donne une peau très, très lisse. Et ça ne sert pas qu'à ça. Ça ne sert pas qu'à genre être un masque. Tu peux aussi faire le masque des cheveux avec. Honnêtement, hein. Il y a tellement de fonctions sur cette poudre que je vous la conseille. Je vais mettre en description pour que vous-même vous puissiez découvrir. Mais moi, en tout cas, j'étais choquée. À chaque fois que je mets ce masque-là, j'ai toujours des beaux résultats. Je trouve que ma peau, elle est tellement lisse déjà. Et ça enlève un peu de pimples. Moi, je ne sais même pas pourquoi à chaque fois j'ai des boutons par-ci, par-là. Mais honnêtement, cette poudre, ça m'a sauvé la vie
plus d'une fois, d'accord? Ensuite, là, je vais laisser ça sécher parce que, voilà, j'ai juste mis dans les endroits où je m'en rendais compte que, il en manquait un peu. Mais je vais laisser ça, un peu sécher. Et comme d'habitude, vibing, guys. We're always vibing. Always. On va danser un peu. Hmm? On veut aimer le désordre comme ça. Regardez beaucoup. Et... Now, on va passer à la bouche, on va passer aux dents. Donc moi, pour mes dents, j'utilise cet appareil que j'ai pris sur Amazon. En gros, c'est un whitening. C'est genre un gel pour blanchir les dents qui vient avec un petit appareil comme ça, avec des lumières ultra bleues. Je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et en gros, vous prenez le pen, vous allez faire sortir le gel. C'est facile à utiliser, vous tournez simplement, vous mettez sur toutes vos dents, like une par une, genre bien mis. Ensuite, vous prenez l'appareil, vous l'allumez et vous mettez dans votre bouche. Vous allez attendre quelques minutes. C'est un peu agaçant, to be honest. Mais genre, le résultat, il est tellement impeccable que moi, en fait, at least deux fois par semaine, je fais ça. Moi, je fais ça deux fois par semaine. Pour un début, je vous conseillerais de faire ça une fois par semaine. Si vous avez des dents sensibles, moi, j'ai dû apprendre, en fait, que dans nos dents, on avait des nerfs. C'est parce que j'arrêtais pas de blanchir mes dents. Et un jour, j'ai eu mal. Mais quand je dis que j'ai eu mal, c'était unbearable. Next, j'utilise ma pâte dentifrice Colgate Radiant. Je pense que c'est Radiant. Yeah. En gros, c'est pour blanchir les dents aussi. J'aime beaucoup cette pâte Colgate parce que moi, j'utilise, ça va faire 2 ans maintenant. I can never change. Like, on ne change pas l'équipe qui gagne, comme on dit. Moi, à chaque fois que j'ai utilisé cette pâte, j'ai toujours eu de bons résultats. Donc, je me vois honnêtement pas changer cette marque. Ensuite, j'ai des petits tools. Mais là, I'm being extra. To be honest, guys, I'm being so extra. You guys don't have to do that, but if you want to... You can. J'utilise ce petit truc que vous avez vu pour nettoyer un peu les tartes, extra tartes. Et il y a aussi ça là. Comment on appelle ça? Oh my god, en français. En fait, c'est juste pour... C'est pour bien nettoyer la langue, en fait. Il faut gratter sa langue. Pas juste la brosser avec la brosse à dents. Cette étape, elle est cruciale. Si vous voulez avoir une bonne haleine, c'est très important de ne pas sauter cette étape-là. Grattez-moi la langue là. Ne croyez pas si j'ai brossé mes dents, ça va aller. Non. C'est pas vrai. Il faut gratter la langue aussi. Ensuite, là, j'utilise un wet towel. Mais genre, là, elle est humide. Comment humide? Non. Là, elle est avec de l'eau tiède. Donc, j'ai mouillé avec de l'eau tiède. Pourquoi je mouille avec de l'eau tiède? Parce que moi, je veux que mes pores s'ouvrent quand je mets mes produits, mes skincare products. Donc... En règle générale, je mets de l'eau tiède, comme ça, ça m'ouvre un peu les pores. Et je make sure que j'y suis bien pour qu'il n'y ait pas de résidus. Vous voyez, genre les résidus du gommage là. Pas du gommage, désolé, du masque. Donc, je m'arrange à bien essuyer. Et aussi, j'aime pas mouiller mon visage tout du coup comme ça. Donc, à chaque fois, j'essuie mon visage. Je peux le faire, je peux répéter cette action 2 à 3 fois. Just to make sure that everything is... gone, like literally gone. Je veux rien, que rien ne reste en fait sur mon visage. Donc je me bats à faire ça et tout. After that, we're done with the face. Non, on n'est pas done. Mais là, on va passer au skincare. Donc là, on va passer à mon skincare. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Ça, c'est The Ordinary. En règle générale, j'utilise ça. C'était le cleanser, juste pour nettoyer le visage. Mais comme j'avais déjà utilisé le savon, je ne l'ai pas fait. Ensuite, j'ai pris mon Salicylic Acid. C'est très, très, très bien. Enfin, c'est très, très bon pour les boutons. Toutes mes go qui souffrent avec des acne that never ends. Like, vous avez l'acné, ça ne finit jamais. Essayez The Ordinary. Je pense que ça peut vous aider. C'est pas cher déjà, mais c'est aussi efficace. Ensuite, je viens avec mon Niacinamide Acid. Niacinamide, c'est très bon pour les taches et c'est pour vous donner un even skin tone, pour avoir genre une peau avec la même couleur partout. Parce que honnêtement, avoir un côté noir ici et là-bas c'est jaune, c'est pas très beau à voir. Surtout qu'on n'a pas de make-up. Après, on se plaint, on se dit non, mais je veux avoir du make-up et tout parce que voilà et tout. Non, mais essayez Niacinamide Acid. Honnêtement, moi, j'étais ignorante de ça, mais quand j'ai essayé, j'étais vraiment étonnée de savoir que le niacinamide était aussi fort.
Donc, yeah, Niacinamide, definitely try that out. Ensuite, on vient avec le correcteur de tous les teints. Je sais que toutes mes gos connaissent ce correcteur. J'ai pris, c'est un sérum pour les taches, encore une fois. Moi, je me bats avec mes taches. Heureusement, j'ai pu faire ma chemical peel. Donc, definitely, je vais plus me battre avec les taches comme je me bats avec des taches en ce moment. Mais ce sérum-là, honnêtement, les filles, j'avais utilisé pendant 2 semaines. Et en 2 semaines, j'ai vu des résultats fous. Mais quand je vous dis que j'ai vu des résultats fous, j'étais étonnée. Je me suis dit, est-ce que c'est pas juste le hype de TikTok? Mais en vrai, c'était pas le hype de TikTok. Tout le monde disait la vérité. En vrai, il y avait vraiment, c'était vraiment vrai en fait que ça enlevait les taches et que ça donnait une even skin tone. Ensuite, je viens mettre my vitamin C. Vitamin C, guys, is very, very important. Si vous avez déjà votre skincare et que vous n'utilisez pas de vitamine C, essayez d'ajouter vitamine C. Honnêtement, ça nourrit tellement bien la peau que vous n'allez pas le regretter. Donc moi, depuis que j'ai ajouté vitamine C dans ma routine et tout, je trouve que mon visage il est beaucoup plus lumineux. Voilà. J'ai even skin tones que j'aime d'ailleurs parce que c'est vraiment ça mon combat. J'ai vraiment pas envie d'avoir des côtés noirs ici et là. Donc vitamine C is definitely good for that. Ensuite, on passe au déo. C'est très important de sentir bon. On est toutes d'accord. Je crois qu'on va pas se discuter sur ce point-là. Ça, c'est un déo qui est fait à base de pierre d'Alain. Je pense que c'est ça en français, la pierre d'Alain. C'est inodore, donc il n'y a pas d'odeur. Et ensuite, c'est comme un caillou qu'il faut simplement mouiller. Vous mouillez simplement et puis vous les mettez sous vos aisselles. Mais quand je vous dis que ça reste pendant 24 heures, aucune odeur ne va sortir. Après, il y a le classique Dove, ça c'est plus à présenter. Ce Dove là, il sentait tellement bon. J'étais en mode oh my god, like I can't, this smells so good. Bon, on va passer au corps. Je vais vous montrer les produits que moi j'utilise pour hydrater ma peau. J'utilise 3 produits essentiellement. Donc j'ai 2 produits de chez Luxottic et j'ai aussi Shea Moisturizer. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque qui est très populaire ici aux États-Unis. Ça c'est pour l'hiver par contre, parce que honnêtement, ça en été vous allez fondre, mais comme il fait très froid et après, on peut avoir les pieds blancs, avoir les trucs blancs. Moi, je suis pas dedans. Donc, je prends mon Shea Moisturizer et je mélange avec l'huile de chez Luxottic. Cette huile, c'est une dinguerie. D'accord, vous pouvez la mettre toute seule, mais je pense que c'est bien de faire le mélange avec une crème un peu lourde comme celle de Shea Moisturizer pour avoir une texture un peu plus, vous voyez, in between, un peu au milieu. Moi, en tout cas, pendant l'hiver, je fais la combinaison des deux et to be honest, les gars, c'est la perfection. J'ai pas à me fatiguer. En tout cas, moi, ça, c'est ma tasse de thé. J'adore. Je peux pas. I can't get over it. Ce mélange-là, c'est vraiment une dinguerie. Après, je viens prendre... ça, c'est une crème de chez Luxottic. Donc, du coup, je mélange la crème et l'huile ensemble. Ça, c'est pour mes pieds. Donc, encore une fois, le mélange, simplement 2 à 3 pompes, c'est suffisant. Parce que c'est vraiment riche. Donc, 2 à 3 pompes, ça va faire l'affaire. Je viens mélanger et je commence à hydrater mes jambes. Honnêtement, pour avoir des jambes comme ça, là, qui brille bien quand tu mets ta talon, t'as une robe et il y a tes jambes qui sont dehors comme ça, c'est tellement flattering. Je trouve que c'est tellement ça fait tellement, je sais pas, c'est really really appealing to me. Et honnêtement, moi je me dis, si je suis belle, je suis bien habillée, ben ma peau et tout ça, ça doit suivre. Pour moi, le mélange des deux, c'est vraiment vraiment la magie. Je vous ai tout dit, mais tout dit. Alright, so you guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. D'accord? Abonne-toi. Je t'attends. T'es bon? Tu t'es abonné? Ça va? Ok, merci beaucoup, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye, guys. Just no peace and no peace. I say lucky, but I'm never lonely. Sexy ladies, come wifey me slowly.